Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de la série à Tanouan 1 qui sera consacré aujourd'hui à la culture de la tomate. Originaire du nord-ouest de l'Amérique du Sud, la tomate est la culture maraîchère la plus appréciée des potagers. C'est le premier fruit, légume maraîcher produit au niveau mondial devant la pastèque et le chou. Ce fruit consommé comme un légume est toutefois un des plus difficiles à produire en Polynésie. C'est pourquoi il est préférable de le cultiver en saison fraîche. Nous allons voir dans ce tutoriel tous les secrets d'une production réussie. Tout d'abord, vous devez choisir les graines à utiliser. Nous vous conseillons pour une première expérience de vous orienter vers les graines de tomates cerises. Elles sont plus vigoureuses et moins exigeantes que les grosses tomates. Les graines de tomates s'achètent facilement en magasin spécialisé, mais vous pouvez également les récupérer à partir des graines de fruits mûrs. Pour ce faire, récupérez les graines de tomates, laissez tremper une journée dans l'eau, puis à l'aide d'une passoire, rincez les graines pour les débarrasser des restes de chair. Enfin, les laissez sécher sur du papier sulfurisé. Vos graines sont prêtes pour les semis. Réalisez vos semis en barquette ou en godet avec du terreau fin. Préparez votre support de culture en tamisant du terreau ou du compost et mettre les gros morceaux au fond de la barquette ou du godet, puis remplir le reste de terreau fin. En barquette, semez tous les 3 cm, puis recouvrir de quelques millimètres de terreau. En godet, mettez une à deux graines par pot et recouvrez-les également de terreau fin. Le terreau doit rester humide, mais pas en excès d'eau. Faites germer vos graines à l'obscurité. Dès l'apparition des premières feuilles, mettez les plants en pépinière à l'ombre. Si vous semez en barquette, environ 14 à 18 jours après, le plant devrait faire 10 cm, 2 à 3 vraies feuilles. Vous devez réaliser ce que l'on appelle le rempotage, c'est-à-dire que vous sélectionnez les meilleurs plants et vous en mettez un par godet. Ensuite, attendez 2 jours sans les mettre directement au soleil. Si vous avez semé directement en godet, vous n'avez pas besoin de rempoter. Sur votre potager, installez des tuteurs de 1,50 m à 2 m de haut. Vous pouvez les installer en tipi ou n'utiliser qu'un seul tuteur par plant de tomate. Idéalement, reliez les tuteurs entre eux à plusieurs niveaux pour consolider la structure. Vous pouvez faire des buttes pour éviter que l'eau asphyxie les racines lors des fortes pluies. Pour préparer la zone à planter, faites des trous de 20 cm par 20 cm, espacés de 60 cm, environ 3 mains entre le pouce et l'index. Mettre du compost au fond du trou et une poignée de coquilles d'œufs broyées. La terre doit être riche. Ameublir la terre et mélanger un peu. Votre sol est enfin prêt. Récupérez vos plants en godet âgés de 2 mois et enlevez les premières feuilles. Vous pouvez observer des poils sur les pieds de tomates qui, sous terre, deviendront des racines. Pour le repiquage, lorsque le plant fait entre 20 et 30 cm de haut, arrosez la motte avant de la retirer délicatement et enfoncez profondément le plant. La base de la tige fera de nouvelles racines qui donneront plus de vigueur à vos plants. Attention à ne pas avoir de contact entre la terre et les feuilles. Tassez légèrement. Vous pouvez également pailler la base pour limiter les mauvaises herbes et garder l'humidité. Au fil du temps, attachez la tige au tuteur. Pensez à arroser plusieurs fois par semaine à la base de la plante. Attention aux excès d'eau. Les tomates cerises n'ont pas besoin d'être taillées. Pour des tomates standards, vous pouvez tailler en supprimant les vieilles feuilles et les gourmands. Ce sont les tiges qui poussent entre la tige principale et la base d'une feuille. En les enlevant, vous faciliterez l'aération du plant. Pour certaines variétés, et plus particulièrement en période chaude et humide, il est nécessaire de faire vibrer la tige au moment de la floraison pour que la fécondation de la fleur se passe correctement. En général, on obtient les premiers fruits au bout de 2 mois après la plantation, mais cela dépendra avant tout de la variété que vous utiliserez. Pensez à planter autour des tomates des œillets d'Inde. C'est une plante répulsive, notamment pour les pucerons. Vous pouvez également planter à côté de vos tomates des carottes, du chou, de la salade, persil, poireau et du basilic. La tomate peut être fragile. Surveillez les insectes comme les pucerons, les cochenilles, les aleurodes et les mouches mineuses. Un traitement simple, mais pas toujours suffisant, est de supprimer et détruire les feuilles les plus attaquées.
Le mildiou ou le cul noir peuvent également apparaître sur vos plantes et fruits. Le cul noir colore le bas de la tomate d'une tache noire. Il est lié à un problème d'eau ou un manque de calcium. Les coquilles d'œufs et un arrosage régulier limiteront son apparition. Dès que les premières tomates deviennent orangées, pensez à protéger les plants avec un filet anti-oiseaux. Les poules et les bulbules raffolent de ce fruit. Pour la récolte, quand vous voyez que la tomate devient rouge, attendez qu'elle soit encore plus rouge, vous y gagnerez en goût. La tomate est un aliment nutritif intéressant. Il est riche en goût, diététique, très riche en éléments minéraux et en vitamines A, C et E. Il est également pauvre en calories. Sa culture peut sembler compliquée, mais en respectant les différentes étapes et en prenant soin de son potager, elle devrait pouvoir facilement remplir vos futures assiettes. La tomate peut être de diverses formes et couleurs. La tomate cerise, cornue des Andes, cœur de bœuf sont des classiques très appréciés. D'autres variétés disponibles chez les fournisseurs pourront répondre à vos besoins. N'hésitez pas à demander conseil.